Bonjour tout le monde, ici Picapof qui c'est pour un autre épisode de Last of Us Part 2 Remastered sur PS5. Tu faisais cette patrouille avec qui hein? Jesse? Les reflets, c'est miroir. Oh ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Vous avez d'aide? Non? Ok. Par ici. Signe le registre. C'était quoi cet endroit? C'était une tour radio avant. J'imagine que le banque, c'est celui d'Eugène. Il est à moi. C'est lui qui me l'a donné. D'ailleurs, t'en as sur toi? Oh, j'aimerais bien. Eugène en avait toujours, lui. Eugène. Je suppose qu'il est mort. Ça, c'est les pièces parmi le stock, je m'en rappelle. Il y a des pilules, là, me semble, dans ce jeu-là aussi. Les pilules, c'est pour les habiletés. Et voilà. Viens voir. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Ah, je vois le chalet de ski, qui est sur l'itinéraire de Tommy et Joël. Ouais, c'est celui-là. Ok, bah. Les autres sont là-bas. Faut traverser ça, je m'en rappelle pas de ça. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier? Elles sont propres. Je juge pas. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. C'est quand même canon. Merci.
On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC? Non. De vieillesse, après avoir bien vécu. Toi? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Oh, tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hey, je porte des bottes, là. Tu sais comment tu vas mourir? Bon, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer? J'ai pourri ta blague? Non. Peut-être. Ta gueule. Désolée. Hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on les chope sur le périmètre extérieur. Elle est cool, cette caravane. Une vraie petite maison portable. Tu crois que les gens voyageaient vraiment là-dedans? Tu le ferais pas, toi? Si j'avais vécu avant l'épidémie, carrément. J'aurais fait le tour du pays. Ou même partir à l'étranger. Un jour, peut-être. Ah, c'est beau de rêver. Jessie parlait beaucoup du Canada. Il voulait voir des espèces de chutes d'eau géantes. Ah ouais? Canada. Je croyais qu'il était amoureux de Jackson. Chacun ses rêves. Il n'a pas de chute d'eau géante. Pas ma connaissance. Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh. Ça va, vous deux? Ouais. Vous allez regarder quoi comme film? Il aime quoi, Joël? Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Oh. C'est plutôt pas mal, en fait. Oh, je l'ai pas, celle-là. C'est pas une des cartes de super-héros que tu collectionnes? Ah, ouais. Et toi, alors? Tu fais quoi après ça? Avec les autres, on parlait de faire le mur. Faire de la luge. Ça a l'air marrant. Ouais. Tu veux qu'on se retrouve après? Ok. Peut-être que je te jouerai quelque chose. Ok. Pas tant de maisons à explorer. Ça parle de quoi, Curtis et Viper 2? C'est deux anciens commandos qui abandonnent tout pour combattre des méchants. Et je crois que dans celui-là, ils affrontent des espions russes. Oh, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Que de la neige. Ellie, oublie pas Payette. Je pensais qu'il y avait plus de maisons à explorer que ça, mais... Tu crois que quelque part... Peut-être qu'à le deuxième étage, c'est ça? Sûrement. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, ils sont tous comme nous. Bah, c'est bon, je continue d'écrire bon. De la musique, donc... si quelqu'un a une caméra... Deli? Pourquoi je les ai jamais entendus? J'en sais rien. Tu m'en joueras une ce soir? Allez, quoi? Je vais y réfléchir.
pauvre gamin. Lettre au Père Noël. Cher Père Noël, j'ai été sage cette année. Tu veux bien me porter un gros chien, s'il te plaît? J'en ai besoin pour protéger mon papa quand il part chercher à manger. Il pourrait aussi nous aider à défendre la maison contre les monstres. Et puis, il me tiendrait compagnie quand mon papa s'enferme tout seul dans la chambre. J'aimerais bien qu'il ressemble à ça. Tu pourrais aussi m'apporter un pistolet. Si j'étais plus fort, je crois que ça ferait plaisir à mon papa. Merci beaucoup, beaucoup, Eric. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, les paillettes. On se barre. Un chevreuil? Est-il encore vivant, ce donc? C'est pas vrai. Oh, ça pue. C'est les infectés qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons. Mais ça, ça n'affecte pas les élans. T'en penses quoi? Diviser pour mieux régner? Dina, par ici. On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Bonne idée. Les portes fermées peuvent vraiment s'ouvrir de l'autre côté, merci. Joli lancé, au fait. Merci. La porte par où on est entré était bloquée. Comment il a fait pour rentrer le coureur? Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est quoi ton record d'infectés tués pendant une patrouille? Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël, il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi? J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Putain. Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Là, t'en as deux.
Aïe, ça sort par là. Encore du sang. Dina, par ici. D'autres coureurs. Pas de bruit. On va voir ce que ça donne. Juicy. Il y en a pas d'autres? Non. Je crois que c'est bon. Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Ellie, aide-moi à monter. Je vais jeter un coup d'œil. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Là. Là, tu vois? Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Dina, là-dessous. Oh shit! T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. Pas de la sauce, là. J'ai trouvé quelques trucs. Cool. Madame, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je voulais pas vous faire de mal. Je voulais rien d'autre que les médicaments. Votre mari m'a attaqué. J'avais pas le choix. Ma petite sœur sent plus ses jambes. J'avais besoin d'insuline. Personne ne veut m'en donner. J'avais pas le choix. J'espère qu'il survivra. Je vous demande pardon. Je vois. Tu vois un moyen d'atteindre le toit? Pas sûr. Moi,
J'ai l'impression par le camion ici. Par là. J'y suis. Hey, j'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Tiens, arrange-toi un peu. Il y a des spores. Il faut les masques. Ok. Elle l'a pas dit, elle, que... qu'on était immunisé, qu'elle était immunisée. Je sens ça comme une pilule, dis-là. J'ai plus que la moitié, ça va bien. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Ah, oh, c'est mignon. Tous ces sports, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Ouais. Ça fait partie du supermarché ? Je sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. Dis-moi Green Place Market. Le pitou. On a besoin d'un safe. On a besoin d'un safe pour trouver une note. Et Kristen, je lui ai laissé la mère Cam dans le coffre. Le code, c'est la date à laquelle mon chien est devenu employé du mois. Et tu n'as pas intérêt à le refourguer. C'est pour ton dos, ok? Prends soin de toi, Mina. Le chien est tombé en plus du mois à juillet 2013. Donc 07. Yeah. Oh, putain, ça a marché. Ouh. Oh, on a 33 stimulants. On peut avoir notre première amélioration qui est mode écoute, vitesse de déplacement. Augmente votre vitesse de déplacement en mode écoute. Maintenez R1 pour repérer les ennemis proches à travers les murs. 50% de vitesse de déplacement. Apprenti, t'as pas obtenu.
Je pense qu'on a fait du bruit. Un clicker. Maintenant, il est à cœur avec votre train d'arrêt. Pêchez-vous de juste espérer appuyer sur le triangle pour les saisir. C'est parti. Fais pas un bruit. Le couteau, il pétait pas après un certain temps. Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. Viens, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Ensuite, on se casse de cet endroit. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'il y avait rien aux étagères. Dina, tu peux m'aider. J'arrive. Je vais te rendre à 1, 2... Je te prépare un cadeau. J'aime les cadeaux. On dirait une 9. 9 infectée à date, peut-être. Ok, ça c'est quoi? C'est un. Amélioration. Ok, non, c'est pour, juste pour dire que je peux faire. Alors, quand on confectionne un, on a jamais assez. Cas où que ça tombe pas bien. Tiens, merci. Cocktail Molotov met le feu à une zone. Fais gaffe avec ça. Je maîtrise. C'est pas fini. Mon Dieu, il y a bien début des... des pilules. C'est une pharmacie aussi, j'ai l'impression. Déjà atteint 30. Augmente la vitesse d'utilisation des kits médicaux. Prochain, c'est 25% de santé de plus hier. Les clickers sont un très mauvais
moins 3-4. Admettre que j'ai un petit peu paniqué, là, rendu là. Il en reste Non. Tu sais quoi? On est impressionnantes. Ouais. Ils vont pas nous croire quand on leur donnera notre score. Allez. On va au prochain poste de guet et on fait une pause. On l'a bien mérité. D'accord. Tu vois une sortie? Qu'un chat pour lancer mes... On est arrivé par là. Non, on n'est pas arrivé par là, right? C'est fait par où, nous autres? T'es arrivé par en haut, j'ai aucune idée. Par où est-ce qu'on est arrivé? Je vais être honnête là. On est arrivé par là. Oui. Ça bouge pas. Ah bah. C'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ok. Il y a un câble. Voilà, c'est bon. Ça devrait tenir. Allez, vas-y.
veux que j'essaie? C'est bon. Mais grave. Ok, c'est bon. J'y vais. Je peux-tu monter, moi, toi? C'est pas grandi que par tu ici. La tempête approche, là. On est loin du poste de guet. C'est juste après la prochaine ville. Je te suis. Ouais, s'il y a une flaque de sang, genre, je marque dedans. Est-ce que je vais faire des empreintes de sang? Bibliothèque. Je m'occupe de la porte. T'es déjà venu? Je suis passé devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. Quelqu'un a tout verrouillé. Il y a un truc au fond. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter? Tu vois un moyen d'entrer? On dirait que ça fait un bail que personne n'est venu ici. Chier. Faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Comme ça, tu fais. C'est quoi tout ça? Tous ces trucs.
électronique, c'est forcément à Eugène. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Oh. Eugène London. Ouais, c'est bien la planque d'Eugène. Il faisait partie des Lucioles? Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre? Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Notre carte. Uncharted, Jack et Daxter. Tommy et Eugène. Ils ont des têtes de bébé. La lumière, les radiateurs. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin, c'est sûr. Uncharted. Probablement que c'est Uncharted 1 en dessous. PlayStation 3. Eugène, je t'en supplie, rentre à la maison. Si les Lucioles veulent sauver le monde, eh bien, laisse-les faire. Laisse-les s'attaquer à l'armée et aux politiciens. Laisse-les mettre au vaccin pour sauver l'humanité. Qui sait, ils réussiront peut-être un jour. En attendant, tu dois d'abord penser à ta fille. Les Lucioles s'en sortiront sans toi, mais pas elle. N'arrête pas de me demander quand tu vas rentrer. Je n'ai plus la force de lui mentir. Tu me manques, mais je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Rentre à la maison, s'il te plaît. On t'aime, Claire. J'ai trouvé le générateur. Ah, je préfère ça. Oh, waouh. Il est pas mal, ton établi, Eugène. Je parie que tu peux modifier ton arme avec ça. On va aller voir ça tout de suite.
C'est du magasin, hein. Plus de balles. Ouais, ça va le faire. Coucou, toi. Ellie, regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre ? Pas ici. Aide-moi. En bas. C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. Oh shit. J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed séché. Ça explique pas mal de choses. Des cassettes vidéo. La queue du loup. Smash, Brandy, Scooch. C'est... du porno. Smash, Brandy, Scooch. Dina, c'est un bang masque à gaz. Oh, il était vraiment pas con. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme, la weed? On va voir. Un coup de main? Non, c'est bon. Oh, putain. Donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ah, j'avoue. C'est... ouais. Oh, et merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi, je l'ai ouvert. Ça sent bon. Tu sais... on va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. Un étant complètement nul à chier. Et 10 étant... à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça. À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser.
Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6. Oh. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. On retourne avec Abby. Louise. Super désaffecté. Oh putain. Oh shit. Olé. Il y a beaucoup d'infectés. Bon, il y en a beaucoup, je ne sais pas où aller. Il y a peut-être moyen d'atteindre le chalet. J'ai pas de meilleure idée.
On prévient tout. Et qu'on vienne avec des renforts. Putain de merde! Ils sont partout dans la forêt! La porte, vite! Jesus Christ! Je me rappelle vraiment pas de ça. Par ici, vite! Hey! Moi, c'est Tommy. Lui, c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Jackson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusque-là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez! Jesus Christ. Et celle-là? Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure, là. Oh. Je l'ai fait exprès. Pourquoi ?
Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... En fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe! T'es chiante. Quoi? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde? T'as entendu? Jessie? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord? Tout va bien? Non, attends deux minutes. Hey, retourne-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu Putain, fous? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed? Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être rentrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok? Ok. Vous voulez qu'on décèle vos chevaux? Non, alors, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité? Et où t'étais passé, merde? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, ces types? Et vous êtes là depuis longtemps? Non, depuis hier. Hier? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin? Rien, on fait que passer. Et vous, vous habitez par ici? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Nora, c'est bon? Il est à chasse. Mettez-le contre la vitre. Tommy! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Aïe, aïe, sa jambe est dégueulasse. Devine.
Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez! T'as intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. On va arrêter l'épisode ici. Le prochain épisode, ça va être le gros moment là, du jeu. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir été tout le monde. Piqué à tous. Et à la prochaine.